aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où donc je vais vous montrer donc les achats que j'ai pu faire sur Esprit Équitation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gros colis. Voilà, donc il a été envoyé par Colissimo je crois. Oui c'est ça, Colissimo. Et donc j'ai commandé ça jeudi et on est lundi. Donc franchement il est arrivé ultra vite. Et donc j'ai déjà ouvert pour montrer à ma maman tout ce que j'avais acheté. Enfin, elle le savait mais elle voulait voir comment c'était et tout. Mais j'ai pas ouvert les emballages qui sont à l'intérieur. Donc je vais le faire avec vous. Donc juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour suivre toutes mes vidéos. Et voilà, donc c'est parti. Alors, donc on commence. Donc je vais commencer par du plus petit au plus gros achat. Donc un des plus petits, donc c'est ça. Donc c'est un petit peigne pour faire les pions. Donc je ne me rappelle plus du prix que je l'ai payé. Mais j'ai dû le payer quelques centimes. Il n'a même pas coûté 1 €, je crois. Même pas. Ensuite, donc attendez. Hop. J'ai acheté ceci. Donc c'est un petit peigne pour faire, je crois que ça s'appelle un peigne à effiler. Donc celui-là j'ai dû le payer à peu près 1,10 €, 1 €. Je vous mettrai les prix sur l'écran, comme ça je les retrouverai, mais là je les ai pas en tête. Donc c'est un petit peigne que j'utilise donc pour faire les pions. Donc ça et ça, ça va me servir pour faire les pions avec, donc pour Casimir. Voilà, donc il est noir et celui-là il est en couleur argent. Ensuite donc j'ai acheté une paire de cloches. Donc c'est de la marque T2T. Non, j'ai pris une paire de ciseaux aussi pour pouvoir ouvrir. Hop. Alors donc je les ai pris en taille S avec de la moumoute au-dessus. Elles sont vraiment géniales. La moumoute elle s'enlève même pas. Les scratchs ils sont, ils tiennent bien. Voilà. Donc de la marque T2T. Voilà. Et celle-ci, j'ai dû les payer 12,90 €, quelque chose comme ça. Donc il y en avait des moins chères, mais je voulais en prendre des bonnes et puis des belles pour les concours. Donc voilà. Donc de la marque T2T. Voilà. J'aime bien cette marque en plus. Ensuite, j'ai pris des protections, donc des guêtres, parce que Casimir n'a pas de protège-boulet. Donc, c'est des guêtres HKM Sport Équipement. Voilà. Donc, du coup, vous vous doutez de la couleur du reste. Voilà. Donc, je les ai pris en taille poney. Elles sont vachement ouvertes quand même là. Enfin, après, il faut que ça se fasse, mais. Oh bah tiens, ça s'est tombé. Elles sont vachement ouvertes, donc faudra qu'elles se referment un peu, je pense. Mais j'aime bien la matière qui est à l'intérieur, ça doit être du néoprène, je pense. Donc là, on peut voir. Taille pony, poney. Donc c'est une couleur en fait, c'est. Je crois que je l'ai acheté, c'est bleu minuit. Mais c'est du bleu marine, quoi. C'est. Voilà. Donc j'aime trop la couleur. Elles sont trop belles. Et c'est une des premières. Enfin, oui, c'est mes premières Protec que je m'achète. Le reste, on me les avait données. Donc, je suis vraiment trop contente. Donc, du coup, je vais les ranger
en sorte qu'elle se referme un peu. Voilà. Donc, il faudra que j'essaye ça à Casimir samedi, mais il en a des tailles poney au centre équestre, donc il n'y a pas de raison que ça ne lui aille pas. Et donc, voici la deuxième paire. Donc, c'est la même chose. Hein. Elles sont vraiment trop belles, j'aime trop. Donc, voilà, je suis trop contente. Donc là, il y a aussi marqué pony. Mais là, c'est écrit dans l'autre sens. Attendez, c'est pas ça, voilà. Là, pony. Bon, oui, Casimir, il est encore considéré comme un poney vu qu'il fait 1m48 ferré. Et que quand c'est ferré, je crois, c'est 1m52 pour les poneys. Donc voilà, donc là c'est mon kit de protection parce qu'il n'a que ça au centre équestre. Il n'a pas de protège-boulet. Mais s'il venait qu'à en avoir à ma prochaine commande, bah, j'y en prendrais. Oups. Voilà. Ensuite, donc on passe donc, à un achat un peu plus gros, mais je l'ai payé moins cher que le reste. Voilà. J'ai plus de batterie, c'est cool. Donc c'est un bonnet de la marque Equitem. Donc il est comme ça. Donc il y a une petite cordelette, mais c'est pareil, bah, j'aime pas trop les cordelettes. Donc peut-être que je la couperai, je sais pas. Mais donc les oreilles, elles sont un peu extensibles, donc ça c'est vraiment bien. Ouais, moi j'aime bien. Donc la couleur elle est vraiment tip top. Donc il y a des fois quelques petites finitions. Comme là il y a un petit fil qui ressort. Voilà. Ouais, il est vraiment top. Il est bleu, donc bleu marine. Avec les oreilles elles sont un peu plus foncées. On dirait un peu plus du gris. Je sais pas si vous voyez ça, mais franchement il est tip top, j'aime trop. Il y a une petite cordelette ici pour... Enfin une cordelette. Donc c'est du bleu marine aussi. Et donc, il y a des petits strass. J'aime trop, trop, trop. Donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, il est de la marque Equitem. Et je l'ai pris en taille cheval. Parce qu'il y avait bah, déjà que ça. Mais franchement, il m'a l'air de tailler assez petit. Donc, du coup, il devrait pouvoir lui aller à Casimir, je pense. Donc, vraiment, j'ai hâte de lui essayer. Je le trouve vraiment tip top, il est magnifique, j'achète complètement, pour l'instant je ne lui ai pas encore essayé. Ensuite donc je passe donc à la suite, donc vous devez certainement vous en douter, donc c'est un tapis donc assorti, donc, je suis vraiment bah, trop contente. Bah. Il y a la graffe qui est en train de se péter en 1000 morceaux. Donc c'est pareil, c'est vraiment un des premiers tapis que j'ai acheté à part le Bordeaux. Le reste c'était toute une dame qui me les avait donnés. Mais celui-là j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. J'ai trouvé magnifique. Et en plus, comme j'ai trouvé le bonnet assorti, bah, qui pouvait résister à cet achat? Ah oui, carrément, ils ont mis tout ça de papier pour le tapis. Donc, Oh non, j'aime trop. J'aime trop. Donc de la marque Equitem. Voilà. J'aime bien parce que ici donc il y a des petits passants pour pouvoir accrocher à la selle. Donc ça évitera que le tapis il recule ou qu'il avance. Et ici, là, on peut passer la sangle et il n'y a pas de scratch, donc ça risque pas de s'enlever ni rien. Le seul souci que j'ai souvent avec ça, c'est que ça se déforme assez rapidement. Parce qu'avec la sangle et tout, ça commence à bailler et tout sur mon tapis Bordeaux. Mais ouais non je l'aime trop. Il est trop beau donc il est assez fin. À l'intérieur bah, c'est la même chose qu'à l'extérieur.
Il est vraiment tip top. Et donc, ben, il y a pas de cordelette. Il est assez simple, hein, pour dire. Mais il y a plein de petits strass. Et ça, j'aime trop. Donc, du coup, c'est assorti avec le bonnet. Et je trouve ça magnifique. Il est vraiment tip top. Je suis carrément amoureuse. Et donc, il y a des strass des deux côtés. Donc, c'est juste magnifique. Donc c'est mon nouveau bivet, voilà. Donc celui-là, j'ai dû le payer une petite trentaine d'euros. Je vous mettrai pareil sur l'écran, mais franchement, j'adore. Là, il y a des scratchs. Et puis, ils sont assez longs, donc du coup, c'est vraiment tip-top. Et en plus, j'aime trop la couleur et tout, j'aime vraiment. Et je l'ai pris en taille mixte. Donc il y avait aussi une taille dressage, mais je préfère prendre des tailles mixtes. Mais j'aime vraiment trop. Voilà. Donc j'espère que la couleur elle ira à Casimir, mais il n'y a pas de raison. Mais franchement, j'aime vraiment trop l'ensemble. Et ah oui, c'était ça que je voulais regarder. Du coup, oui, vous pouvez voir, il n'y a quasiment pas de différence de couleur. J'aime vraiment trop. Je suis trop contente. Voilà. Et donc, ce n'est pas encore mon dernier achat. Puisque en tout, pour ma commande, j'en ai eu pour 100,90 euros. Donc tout ce qui s'appelle les petits rageux qui vont dire pourquoi tu achètes ça alors que t'as pas de cheval et tout, c'était mes sous, donc je fais bien ce que je veux avec. Et c'était pour me faire plaisir et je fais des concours, donc j'aime bien avoir des ensembles sympas et qui me plaisent, donc voilà. Et donc un dernier achat, donc c'est ce pack de protection de transport en fait. Donc j'ai pris celle-ci, je l'ai trouvée vraiment bien. Je vais les sortir, mais en plus il y a une petite housse de protection avec. Donc c'est de la marque Performance. Là, comme ça. Donc Performance avec un petit cheval là. J'aime trop. Et donc ils nous la vendent avec une petite housse de protection. Donc ça c'est tip top pour les emmener en concours et tout. J'aime vraiment trop. En plus ça a l'air. Waouh! Donc. Une protection d'un postérieur, voilà. Donc j'ai pris en taille poney pour Casimir. Parce qu'il n'y avait pas de taille cheval. Mais voilà. Et en plus, ici, c'est rembourré dans une espèce de cuivre pour protéger les sabots et tout. Donc j'aime trop. Donc ici, on peut voir taille poney. Voilà. Donc là, il y a le logo Performance. Et les scratchs ils tiennent. Donc il y a trois scratchs, c'est parfait pour le maintien et tout. Et puis à l'intérieur, la mousse elle est ultra épaisse. Je sais pas si ça rend sur le truc, mais c'est ultra épais. Enfin, c'est trop bien. Et c'est plus pratique pour aller en concours que de poser des bandes de repos. J'espère juste que la taille lui ira, mais. Ça me paraît bon quand même. Oui, ça me paraît bon. Hein. Enfin bon, donc pour l'instant, je les trouve tip top. L'intérieur, c'est un espèce de nacré. On voit pas forcément, mais c'est vraiment un tissu tout brillant et tout. Et donc là, c'est pareil, c'est rembourré. Donc c'est le bas qui est rembourré en espèce de cuir. Les coutures, elles sont en brun un peu plus foncé. Non, un peu plus. Enfin voilà, vous voyez, je ne sais pas décrire si c'est plus foncé ou plus clair. Si c'est plus clair. Là, c'est plus clair que là. Je les ai pris en marron, il y avait du bleu marine aussi. Donc de base, je voulais les prendre en bleu marine. Mais il n'y avait plus la taille poney, donc du coup. Voilà. Mais en marron, elles rendent ultra bien quand même. J'aime vraiment beaucoup. Elles sont vraiment top. Donc ça va être top pour reprendre les concours. Ça m'évitera de poser des bandes le soir et tout. Ça va être tip top. Donc là, c'était une protection arrière. Donc là, voici un antérieur pour un antérieur. Donc, ouais, non, elles sont. Bah, c'est pareil, c'est rembourré. Ça monte bien et c'est ultra épais. C'est trop bien. Les scratchs sont ultra forts. Voilà, en plus je sais pas si Casimir il a déjà marché avec ça, donc ça va être épique la première fois que je vais lui mettre. Ça va trop m'éclater. Enfin voilà.
Donc du coup, donc ça c'est un intérieur, toujours avec le logo Performance ici. Puis là, il y a toujours marqué taille pony, enfin size pony. Mais voilà, c'est la même chose en anglais. Et donc, la paire, hein, forcément, qui va avec. Postérieur et puis intérieur. Voilà. Et donc, pour les gens qui se posent des questions, le club en a, mais ils en ont pas suffisamment donc, pour tous les chevaux qui partent en concours. Donc, la plupart du temps, comme je suis une des plus récentes de l'équipe, eh bien, c'est pas moi qui les ai, les protections. C'est les autres filles pour leurs autres chevaux. Donc, du coup, moi, je suis obligée de poser des bandes de repos. Et c'est vraiment, mais vraiment très, très, très chiant à faire. Surtout quand on doit les faire pour partir. Donc, moi, je le fais la veille, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci, que vous puissiez aller la voir. Donc, moi, je fais la veille. Mais, enfin, il y en a qui le font le matin, mais c'est vraiment très, très long à faire. Donc franchement, les protections de transport, c'est vraiment plus pratique. On défait les trois scratchs. Excusez-moi si la luminosité a changé ou d'autres choses. C'est parce que mon téléphone a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Et je ne sais plus ce que je disais. Mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et... pardon. À vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Et franchement, j'ai été... très contente de cette commande et je surkiffe, c'est vraiment trop bien, enfin voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.